Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, setup un petit peu cheap, c'est juste que j'ai une petite lumière avec moi, j'ai ma caméra avec laquelle il me manque un filtre ND parce que je me le suis fait voler. Donc, derrière, il y a une vue magnifique sur la montagne, mais là, vous allez voir un écran blanc. Je suis pas à la montagne, c'est pas la neige derrière, donc c'est pas terrible. Mais c'est une vidéo que je vous fais rapidement parce que cette semaine, j'ai eu pas mal de questions suite à la sortie, vous savez, de tous ces nouveaux MacBooks, ces nouveaux ordinateurs toujours de plus en plus puissants, de plus en plus chers. J'ai pas mal de membres de ma formation qui m'ont dit, voilà, moi, je suis pas forcément professionnel. Est-ce que je dois absolument m'acheter un ordinateur, un MacBook Pro avec telle performance qui va me coûter au final quasiment 3 ou 4 000 euros? Et du coup, est-ce qu'il y a des solutions? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez vu que la plupart des boîtiers vidéo, même entrée de gamme, même les drones entrée de gamme vont filmer maintenant en 4K. Il y a même le Mavic Air 2 et le Mavic 3 qui filment en 5,2K. Maintenant, on a des vidéos qui sont en 10 bits, en H265, et ça peut vite faire ramer le logiciel de montage. Et ça, vraiment, c'est un enfer. Moi-même, je l'ai vécu plusieurs fois et ça m'arrive de le vivre aussi. Il n'y a rien de pire que de faire un montage, d'être à fond, d'être hyper créatif et finalement d'avoir le logiciel qui rame ou les rendus qui sont super longs. Donc pour ça, je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo déjà une technique qui est assez connue, qui va permettre d'accélérer, en fait, d'alléger la mémoire de votre ordinateur, donc de ne pas forcément avoir l'ordinateur dernier cri pour faire du montage. Et je vais vous raconter une petite anecdote me concernant là-dessus. Et après, à la fin, je vais vous donner 2-3 tips pour permettre de faire des économies, en fait, sur votre ordinateur, pas avoir, si vous êtes amateur, avoir un ordinateur puissant à acheter, mais voilà, des petits tips qui vont un peu accélérer votre ordinateur, qui vont un petit peu alléger votre ordinateur et permettre de monter un petit peu plus vite. Alors la technique que tout le monde connaît, qui est aussi valable sur Final Cut, sur n'importe quel logiciel de montage, aussi Adobe Premiere, donc, ça va être de monter en proxy. Alors les proxys, qu'est-ce que c'est? Les proxys, en fait, c'est une copie de votre fichier original, mais en basse définition. C'est-à-dire que quand vous allez aller sur votre ordinateur, vous allez commencer un montage, une bibliothèque, vous allez importer ces fichiers en proxy dans une qualité que vous allez déterminer. Et si vous voulez, ça va faire une copie, un clone, un jumeau de votre fichier en basse définition. C'est-à-dire que pendant que vous allez monter, le logiciel de montage va utiliser ces fichiers proxy et donc avoir plus de puissance possible parce que ça va moins ramer. Ça va être un fichier qui va être même pas en HD, voire moins. Et à la sortie, à l'export, ça va vous permettre de réexporter le fichier, votre montage final, pardon, avec la qualité originale. Donc c'est une petite manip que je fais moi-même si j'ai un ordinateur assez puissant. Je la fais aussi parce que des fois on a des montages qui peuvent faire 20-25 minutes. Et 25 minutes de 4K, plus les effets, plus la colo et compagnie, ça peut vite ramer et c'est vite un enfer en fait. Je vais vous montrer sur l'ordinateur pour ceux qui ont Final Cut, mais sur Adobe c'est exactement la même chose, il y a la même manip, ça s'appelle fichier proxy. Donc voilà, après vous avez le dossier qui s'affiche, vous prenez par exemple, je veux importer les fichiers de Santa Teresa, et c'est ici en fait, sur la droite, que vous allez cocher dans transcoder, créer un média proxy. Alors moi je mets taille d'image 50%, je laisse par défaut, vous pouvez changer, vous pouvez mettre aussi, il y en a qui mettent 960 par 540, ça équivaut à de la petite HD. Donc voilà, moi je laisse 50%, j'ai pas de préférence, tant que ça rame moins, c'est l'essentiel. Et puis après, je fais importer la sélection. Donc là, je clique pas parce que je l'ai déjà fait. Ça prend un petit peu de temps. Quand vous faites ça, essayez, surtout si vous avez beaucoup de volume de fichiers. Moi, des fois, un tournage, je ramène une journée de tournage, je peux ramener jusqu'à 50 à 70 gigas de fichiers. Et ça peut prendre presque une heure à importer. Donc en haut ici, en fait, dans la fenêtre d'importation, ça va transcoder fichier par fichier. Donc vous verrez, il n'y aura pas le temps estimé, mais ça va, vous allez voir les fichiers petit à petit se transcoder. Ce que je fais, moi, en général, c'est dès que je reviens d'un tournage, si je sais que j'ai le montage à attaquer dès le lendemain, je vais le mettre le soir, en fait, à charger ou le matin même avant de commencer. Comme ça, dès que j'arrive, j'attaque mon montage et je peux directement le faire. Ensuite, une fois que vous avez vos fichiers transcodés, pour monter en proxy, donc là c'est sur Final Cut Pro, vous allez en haut à droite dans Présentation, Lecture des données, vous mettez Proxy uniquement. Donc là ils sont importés, donc ça marche bien. Si vous n'avez pas importé de proxy, ici tous les fichiers seront en rouge et ils ne vont pas être reconnus. Donc vous voyez la qualité baisse un petit peu, on ne voit pas forcément, mais ça permet, ah ouais, voilà, un exemple ici, ça c'est un fichier que j'ai pas importé en proxy, parce que je l'ai rajouté après. Parce que j'avais pas le temps de refaire juste un proxy pour ça, donc vous voyez, il est manquant. Que si je me mets en optimisé original, qu'il faudra d'ailleurs se mettre dans ce mode là pour exporter votre vidéo à la fin, et ben ensuite vos fichiers sont, et vous voyez, ça rame un petit peu plus quand je défile dessus. C'est un peu plus long malgré que j'ai un bon ordinateur.
Donc voilà pour les proxys, très important à utiliser. Moi, si vous voulez, pour la petite anecdote, j'ai cet ordinateur depuis peut-être maintenant 2 ans. Donc c'est un bon ordinateur, qui a un prix de quasiment 4000 euros. Mais si vous êtes même professionnel, vous n'êtes pas obligé d'acheter aussi cher, sauf si voilà, vous montez tous les jours. Moi, j'avais un MacBook Pro entrée de gamme pendant 5 ans à 6 ans. Je l'avais acheté parce que j'étais juste amateur au début, je faisais ça pour le plaisir, je ne savais pas que j'allais devenir pro. Et il m'a duré quand même 5 ans sans avoir un seul souci. J'ai même monté un documentaire d'1h10, j'ai monté des vidéos jour et nuit dessus, il m'a jamais lâché. C'est pas de la pub pour Apple, mais vraiment aucun souci parce que je montais en proxy. Et en proxy, en fait, même un montage qui était long, alors voilà, l'import des fichiers, l'export final était plus long forcément, mais ça allégeait tout. Donc voilà, ne vous embêtez pas à forcément acheter un ordinateur super puissant. Sauf si vous êtes voilà, professionnel, parce que quand vous montez tous les jours, c'est quand même un confort, c'est comme un chauffeur de taxi, il va s'acheter une bonne voiture pour pouvoir être à l'aise dans sa voiture parce qu'il conduit 8 heures par jour. Bah, nous, c'est un petit peu pareil pour ceux qui travaillent sur les ordinateurs, que ce soit en montage photo, en montage vidéo. Maintenant, je vais vous donner quelques petits tips aussi pour éviter d'alourdir en fait la charge de travail sur votre fichier de montage. Déjà, c'est au niveau du workflow. Le workflow, faites-le toujours dans le même sens, c'est-à-dire monter, découper les fichiers, mettez la musique. Ensuite, faites les effets, parce que c'est les effets finalement qui vont donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à prendre de votre ordinateur. Et la colorimétrie. Donc, des fois, ce que je fais, c'est que quand je repasse sur un montage, si j'ai, regardez ici, le base grey au-dessus, c'est un peu mon masque de colorimétrie. Si je dois revenir sur le montage parce que j'ai un cut qui a mal été fait et que je veux changer, ce que je fais souvent, c'est que je désactive directement mon effet avec la touche V sur Final Cut Pro. Comme ça me permet d'être. De regagner un peu de vivacité de mon ordinateur et puis bien sûr je les remets à la fin. On peut aussi tout décocher ici, je sais pas si vous voyez en haut à droite, effet, on peut décocher ça aussi ici, ça peut marcher aussi selon si on a mis l'effet dans le fichier ou sur un layer au-dessus. Après, sur votre logiciel de montage, il faut savoir qu'il fait du rendu en temps réel. Ça veut dire que il est en permanence en train de convertir vos fichiers et donc de travailler. Notamment en fait du fait qu'il est en train, comme je vous ai dit, de calculer tout ce qui est les effets, la colo sur la timeline. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de puissance à l'ordinateur. Et donc tout ça pèse énormément. Notamment déjà, il y a une première chose, c'est qu'il y a des fichiers de rendu qui vont être non utilisés. Et donc souvent, votre fichier de montage, il va faire des centaines de gigas. Regardez, par exemple, je prends l'exemple de celui du Costa Rica, il y a juste 3 montages de 5 minutes et quelques petits réels, il fait déjà 135 gigas. Donc c'est très lourd, notamment avec les fichiers de rendu et aussi les proxys. Si vous êtes en plein montage, que vous voulez alléger, vous allez dans Fichier, supprimer les fichiers de bibliothèque générés, vous cliquez sur, après voilà, vous avez plusieurs choix possibles, vous cliquez sur supprimer les fichiers de rendu, et vous décochez et vous cliquez sur non utiliser seulement. C'est-à-dire que ça va supprimer tous les rendus qui ne vont pas être utilisés, donc ça va déjà alléger votre fichier de montage. Autre point, si vous voulez, c'est moi quand j'ai terminé un fichier, en général je l'archive sur un disque qui sera à côté, qui est un disque vraiment de sauvegarde. Et avant de l'archiver, pour alléger un petit peu tout ça, parce que du coup il y a plein de fichiers qui vont être inutiles, je clique sur supprimer les fichiers de rendu, tout, et je clique sur OK. Donc vous avez vu tout à l'heure, on était à 135 gigas. De fichiers. Là, je vais voir, je clique, ça va charger. En attendant, je vous fais un petit aparté sur les disques durs. Pareil, les disques durs, moi, je monte avec un disque SSD. Donc, c'est un petit peu coûteux, mais la vitesse de lecture, la vitesse d'écriture, la vitesse de transfert, elle va être beaucoup plus puissante. Et des fois, ça peut compenser un petit peu le fait d'avoir un ordinateur un peu moins puissant. Achetez-vous un SSD. Il y en a qui sont des fois à 200 euros pour 1 Tera. Ça peut suffire largement si vous êtes juste amateur, 1 Tera pour faire du montage, ça suffit. Puis après, vous avez un disque de 4 Tera, 8 Tera, 10 Tera, comme vous voulez, à côté pour archiver. Mais achetez-vous un SSD, vous verrez vraiment la différence aussi en montage. Bon, du coup, là, c'est en train de mouliner. Ça prend un petit peu de temps à supprimer. Ce qu'il faut savoir, c'est que si demain, vous avez à reprendre cette archive, à revenir sur votre montage, dès que vous allez double-cliquer dessus, vous allez rouvrir votre timeline de montage. Il va se passer un petit peu de temps, mais ça va récupérer tous les fichiers de rendu. Donc ça va retravailler un petit peu, ça va prendre un peu de temps. Mais ne vous inquiétez pas, les rendus, le montage ne va pas disparaître en fait pour autant. Voilà, il a fait le travail et regardez, ah, ça supprime encore. Je suis passé déjà de 135 gigas à 80 gigas. Bon, ça descend encore. Je ne sais pas à combien ça va descendre. Des fois, ça peut descendre jusqu'à 20 gigas. Hein.
Là, j'ai laissé les proxys parce que je travaille encore sur les fichiers de montage, mais sinon, on peut aussi supprimer les proxys qui ne nous servent plus après coup. Voilà pour ces petites techniques, notamment sur le proxy qui est très intéressant, qui est une technique assez connue, mais que je me permettais de rappeler suite à de nombreuses questions de personnes qui me disaient « Ouais, mais je monte en 4K, j'y arrive pas avec mon ordinateur, il n'est pas assez puissant. » Il y a des alternatives, allez pas péter le porte-monnaie tout de suite, c'est ridicule, sauf si, voilà, encore une fois, je vais le répéter une troisième fois, sauf si c'est votre métier, faites-le. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça va peut-être vous dissuader de dépenser ou d'attendre un petit peu. Moi, c'est vrai que je suis pas le bon exemple, je suis plutôt de la partie à garder longtemps du matériel, à l'exploiter à fond et de temps en temps renouveler. C'était pareil avec mon A7S 1 que j'ai gardé presque 5 ans et j'ai acheté l'A7S 3 il y a maintenant un an. N'hésitez pas à mettre et à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, à donner aussi vos tips peut-être pour monter en 4K ou plus assez facilement sans forcément se ruiner. Et du coup, mettez aussi un like, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, voilà tout le petit discours final. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah, et entre temps, mon fichier est descendu à 50 gigas. Donc je suis passé de 135 gigas à 50 gigas, ce qui, quand on a plein de projets, fait une belle économie aussi de disque dur.